Alors voilà, je viens de terminer. Je trouve ça vraiment très mignon. Ça fait un petit, on dirait un petit volant en fait. Donc c'est assez sympa. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, eh bien, ça sera tout simplement la dentelle. Vous voyez ce que ça va donner en fait? Donc voilà quoi. Alors où il y a des rajouts, ben, tout simplement, je vais venir le mettre au centre. Alors maintenant la dentelle. Bon, c'est pareil, je vais venir donc couper donc un petit morceau de dentelle. Je pense soit la mettre ici, là sur le bord carrément. De cette façon, je pense que ça va être bien. Bon, bah donc je vais commencer à couper le morceau de dentelle et puis après je colle quoi. Alors voilà, j'ai découpé ma petite dentelle, j'ai mis des petites pinces à linge pour la fixation, c'est plus facile. Alors donc je vais venir coller ma dentelle sur le pot. J'ai laissé trop longtemps le pistolet chauffer. Et j'ai plus beaucoup de colle. Donc bon là c'est pareil, hein. Je vais donc coller, comment dire, je vais coller tous les pots, hein, les trois pots. Et puis je vous montre tout de suite. Par contre, je pense, enfin je vais certainement mettre au-dessus de cette dentelle, je vais venir mettre de la dentelle plastifiée de cette façon. J'ai l'impression que ça va être joli. Parce que la dentelle toute seule, j'ai l'impression que c'est un peu simple. Et si je mets celle-ci toute seule, non, c'est pas joli. J'ai fait un essai en fait avant. Donc, mais les deux, c'est bien. C'est pas trop chargé, c'est bien. Bon, je vais coller donc les pots. Voilà, les petits pots sont presque terminés avec la petite dentelle. Alors maintenant, donc, j'ai pris la dentelle blanche, hein, plastifiée. Alors, comment dire? Je vais faire la même chose en fait, tout simplement. Je vais venir donc coller la petite dentelle en plastique. Par contre, j'essaie de ne pas en mettre trop, sinon ça fait une épaisseur de colle, et j'ai peur que ça se voit. Voilà, donc ici le bord, je ne vais pas le coller pour que ça donne un petit peu de, comment dire, un petit peu de volume en fait. Alors je vais continuer donc les deux autres. C'est terminé, donc j'ai collé la petite dentelle plastifiée. Voilà, donc j'ai mis la petite laine, du tissu, des fermetures éclair. C'était simplement pour vous donner donc une petite idée de rangement. Alors pour la dentelle, je l'avais déjà montré en fait lors d'une précédente vidéo. Vous voyez, ça se présente comme ça. Donc j'hésitais en fait avant de l'acheter parce que je me demandais un petit peu, parce que la dentelle comme ça,
En plastique, je n'aime pas spécialement. J'aime bien la dentelle, mais pas en plastique. Mais en fait, je ne regrette pas l'avoir acheté, puisque je l'utilise quand même assez souvent. Et je trouve que ça donne un joli effet. Évidemment, de tout près, on voit très bien que c'est du plastique. Mais non, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, alors écoutez, si vous avez des petites questions aussi, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.